j'ai eu plusieurs noms d'artistes. Et en 2000, j'ai choisi Virus parce que je voulais un nom qui accroche et quelque chose qui se propage et qu'on ne puisse pas arrêter. Toujours la bombe à la main, mais loin de l'image du mauvais garçon, Virus a grandi à Calais, dans les quartiers du Beaumarais. J'ai appris seul. J'ai appris dans la rue. Il aime sa terre natale, heureux de peindre pour les passants et les habitants, mais pas seulement pour laisser sa trace. En fait, je mélange toujours un portrait ou un animal avec... donc là, c'est un siège. Je mets toujours un paysage à l'intérieur, donc en double exposition. Je trouve ça assez poétique et en fait, les gens restent devant, ils rêvent un peu. Et créateur de l'association Gem Étendard, il organise régulièrement des rassemblements de graffeurs pour des fresques réalisées sur les bâtiments de la commune. On a suivi un thème. Et donc moi, mon graphe, c'est le petit Goku qui est là avec le dragon. Donc cette fois, j'ai pas mélangé un paysage, mais deux personnages ensemble. Son travail à Anvers a fait de lui un artiste reconnu qui expose son art. Mais pas seulement pour vivre. Nicolas est aussi un sapeur-pompier passionné. J'arrive à peindre, donc pourquoi arrêter les pompiers alors que j'aime ça aussi. Mais la peinture, je gagne aussi de l'argent avec la peinture. Donc c'est comme si j'avais deux métiers. Et son rêve de demain, un parcours de street art dans les rues de Calais.